c'était Nicolas Beigné, Théodore Anatole, chef supérieur du canton Bikelenu, c'est dans l'arrondissement de Messamina, département du Réunion, région de l'Est. Le gouvernement a mis en place la RFA, entendez redevance forestière annuelle, dans le but manifeste de promouvoir le développement local. Et les principaux bénéficiaires sont naturellement les communautés villageoises riveraines qui ont déjà l'avantage de participer à la gestion des ressources forestières en même temps qu'elles contrôlent l'exploitation illégale des forêts dont elles vivent. Les communautés villageoises riveraines ont donc leur destin entre les mains. Maintenant, ces communautés ont élaboré des projets de développement pendant que les 10% de la RFA étaient encore en vigueur. Mais brutalement, ces 10% ont été supprimés dans la loi des finances de 2015. Et les projets qui avaient été élaborés par les communautés ont été mis à l'arrêt. Ce qui fait donc que les communautés ont vraiment des difficultés. Prenons un exemple concret. Dans le cadre du village de Macon, qui est le siège du canton Bikelenu dont je suis le chef supérieur. Les puits aménagés et les forages ont été construits en partie avec les fonds de la RFA qui sont destinés aux communautés riveraines. Et leur maintenance devrait également être assurée par cette RFA, mais avec la suspension de ces fonds de la RFA, il n'était plus question d'assurer la maintenance de ces puits aménagés et de ces forages-là. Conséquence directe, comme il fallait que les gens boivent de l'eau, qu'ils puissent faire la cuisine, ils ont eu recours à l'ancienne méthode douloureuse qui consiste à aller chercher de l'eau très loin dans les rivières. Et en ce temps, les rivières sont polluées. Et ce qui fait que les communautés riveraines sont exposées aux maladies hydriques telles que la fièvre typhoïde. Vous comprenez pourquoi il convient de redonner à ces communautés riveraines la possibilité de mettre à leur disposition des ressources qui leur permettraient de réaliser des projets d'approvisionnement en eau potable. Voilà pourquoi il est bon de leur restituer les 3,25% de la RFA qui restait pour qu'ils continuent de vaquer à leur occupation pour ainsi permettre à l'État d'atteindre les objectifs qu'il s'est assigné, à savoir promouvoir le développement local, y compris l'épanouissement des communautés villageoises riveraines. Aujourd'hui, les leaders communautaires ont compris la nécessité de se faire former pour pouvoir mériter la confiance du gouvernement parce qu'ils veulent gérer cette RFA directement
plutôt que ça ne passe pas ou bien ça ne transite par la commune. Parce que ce n'est pas toujours évident que ce fonds leur parvienne au niveau des communautés locales. Et je l'ai dit dans mon intervention liminaire aujourd'hui, les leaders communautaires sont déjà formés par la société civile et ils ont reçu une solide formation qui a donc pour objectif de leur permettre de mieux préparer leurs compétences, leurs capacités et leurs compétences techniques pour une meilleure appropriation des mesures, des moyens, des instruments de la bonne gouvernance forestière. Voilà les raisons pour lesquelles ces communautés exigent ou revendiquent la restitution totale des 10% de la RFA.